Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je leur ferai voir un monde sans loi ni contrôle, sans limites ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Donc tu t'es dit que c'était un piège, mais tu les as quand même fait mourir. Lando. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Putain, il est bien modélisé. Hein. Plus irresponsable à faire. Excellent. Bonjour. Je suis le général Lando Calrissian. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos hommes tout ce que nous savions. Allons faire un tour. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Une mauvaise idée. J'ai fait un pari. Shreve pense que vous êtes des espions impériaux. À votre avis ? Je crois que vous avez peur et que vous êtes en fuite. Écoutez, vous nous avez renseigné sur l'opération Cendre. En échange, je vous offre 2 chasseurs, rien que pour vous. Attendez, vous nous laissez partir ? Bien sûr, changez de vie, trouvez un endroit sûr. Un endroit où vous pouvez nous surveiller ? Nous avons d'autres préoccupations. Lui, ils l'ont bien mis là pour pas qu'on puisse aller de l'autre côté. On vient d'apprendre que l'opération Cendre va frapper Naboo. Vous devez l'arrêter. Je pense qu'on peut y arriver. C'est faux. L'Empire est en train de changer, et ses méthodes aussi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas venir avec nous ? Aidez-nous à sauver Naboo. Nous ne sommes pas là pour rejoindre la rébellion. Personne ne vous le demande. C'est une chance unique. Ah, les enfoirés. Bien joué. Vous nous aidez à arrêter ça. Vous nous laisseriez nous battre à vos côtés ? Que voulez-vous ? Je crois sincèrement aux secondes chances. Venez, je vais vous montrer vos vaisseaux. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de compliqué pour les forces spéciales. Quoi, les options, Eden ? Alors, quelle est votre réponse ? Cool. Une petite phase de pilotage. À tous les chasseurs, commencez l'assaut ! Allez, c'est parti. Ah, y'a Leia qui est pas loin. Eh, jamais tu crèves toi. Ah ouais. Je suis derrière vous. Oh, mais j'en doute pas. Seulement si l'un d'entre vous tente un truc, je la bats sur le champ. Oh, c'est des petits hors d'œuvre ça. On ne m'appelle pas Leader Danger pour rien. Je détecte une signature thermique sous les satellites centraux. Je dois être le noyau des. Allez, c'est parti. Alors c'est là qu'il faut concentrer nos vies. Faut détruire ça. Hop. Faut faire attention au rayon laser. Ok. Wouhou. Allez, on va se faire les autres. À mon avis, ils vont pas nous laisser faire ça aussi facilement. Ah, c'était sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, je suis en train d'en prendre. Oh, la chatte. Ouais, on est avec vous, Shreve. Très bien. On va rappeler à l'Empire à qui il a affaire. Cool. On va essayer de se faire le deuxième. Joli tir, commandant. Oh, oh. Elle n'est pas commandant dans mon unité. Oh, ce que je suis en train de prendre.
Ah merde, il y en a encore un là. Cool. Il est où celui qui essaie de me... Là. Toi, tu vas prendre cher, toi. Ah merde, il y en a encore là-bas. Ouh. Deux secondes. Cool. Il en reste un. Merde, je suis peut-être un peu trop près là. Oh putain, ça a lagué, mais quelque chose de méchant. Là. Oh, celui-là, il est super tendu à avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les trucs de défense. Ah ouais, d'accord. C'est ça dont tu parlais. Ok, c'est bon. Je suis en train de prendre super cher là. Concentrons nos tirs sur les boucliers du destroyer stellaire. Hey, vous ne donnez pas les ordres ici. Je crois que c'est ça les boucliers. Ok. Attendez, il faut que je me fasse un peu les cibles à détruire là, parce que sinon à mon avis la mission elle risque de mal se passer. Cool. Tartine un peu quand même, un peu. En passant. Merde, il est là. Ils sont tous sous le vaisseau. Et vous allez où? Attendez, faut que je prenne un petit peu. Faut faire gaffe parce qu'il y a... Il y a beaucoup de défense sur le croiseur. Oh, pff, voilà, si j'ai pas eu de la chatte, qu'est-ce que c'est avoir de la chatte, quoi. C'est bon, là, je viens de sauver ton petit cul, c'est cool. C'est bon, il est en train de fumer un peu. C'est quoi ça? C'est le reste d'un vaisseau. C'est bon, il commence à prendre cher. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire. Mais bon, les trucs, normalement, c'est là. Après, peut-être que c'est scripté. Regardez-moi ça, on voit ces cyclones sur la planète là. On a nos bombardiers aussi, que je crois qu'ils avoinent un petit peu.
Putain, mais oh, jamais. Je sais pas, c'est peut-être scripté. Hein. Faut peut-être d'abord détruire les chasseurs. Je crois qu'il en reste un, il est là. Ouais, il y en a un autre là. Premier bouclier détruit, j'y retourne pour le second. Ah, le premier il a été détruit. Non, non, c'est l'autre que je veux. Merde, putain. Je vais essayer de faire demi-tour. Ici. Cool. Normalement il a plus de bouclier là. Bouclier HS. Au travail. Les chasseurs Y-Wing ont largué toutes leurs bombes. Ah cool, ça s'est bien passé. Tous les autres, repliez-vous. Ça sent pas bon. Je suis le seul à voir ce destroyer stellaire brûler. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tid. Ils vont s'en prendre à la ville. Que tout le monde rejoigne Tid aussi vite que possible. Ça peut être une chance d'arrêter tout ça. Ah ouais, putain, on est sur... Ils disent Tid, mais je crois que c'est Thid. Ah, c'est sympa. Oh, Princesse Leia. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Oh, ça paye un de ces petits boules, la princesse Leia, là. Ils l'ont bien modélisé, hein, son boule. Ça permettrait d'arrêter l'Empire, mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Nous devons les réparer pour pouvoir l'activer. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Compris? Ouais. Compris. Ok, donc là, on va jouer princesse Leia. Alors, grenade aveuglante, Leia Organa, d'accord, ok. Ça c'est quoi? Remplace son blaster par un fusil d'assaut 11 amélioré qui lui permet d'abattre ses ennemis avec un flux laser soutenu. Et bouclier d'escouade, ok. C'est parti. Alors, apparemment c'est une grenade aveuglante. Ah si, ça fait bien son boulot. Merde. Normalement, il y en a un qui est juste là. Ah, il s'est barré. C'est bon. On est pas mal, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, vas-y, hop. Je te mets un petit bouclier. Ça arrive là-bas. Ah non. Ah non, mais ça c'est bon. Ah merde, attends, je me suis loupé comme une merde. On vient de remettre un relais en état de marche. Enfin, moi je l'ai remis en état. Elle s'occupait des stormtroopers. On se dirige vers le deuxième relais, on reste en contact. Sécurisez les périmètres. La tempête a salement touché. Je devrais y arriver. Les renforts. Faire gaffe, ouais, qu'on se fasse pas déborder sur la droite là. Il en reste un là ou quoi? Ah ouais, là-bas ça avoine un peu. Merde! Si tu veux, toi. Cool. C'est bon? Beau travail, on passe au suivant.
Cool. Atteindre les relais, le relais. C'est super beau, Tid, hein, quand même. Belle architecture. Oh putain, vite, faut vite se barrer de là. Wesh, bim. Allez, barre-toi de là. Bien, wesh. Oh, regardez le X-Wing. Ah si, on peut tuer, hein. Ah ouais, d'accord. J'ai cru que c'était... qu'on pouvait pas, tu vois. Ah, oh, je suis mort. Oh non. Marcheur ennemi, j'ai besoin d'un bombardier sur ma position, vite. Affirmatif, Astès. Mettez-vous à couvert. Ah là, ils vont prendre Chéros. Oh, j'ai cru qu'on pouvait pas mourir là. Franchement, bien, c'était, bah, c'est bien en fait. C'est réaliste. Voilà, je vais mettre un petit bouclier ici. Ok, on est bon. Là, je vais y aller doucement. Merde, je me suis brûlé, je crois. Voilà. On a pratiquement réactivé un autre relais. Pratiquement ? Ce truc est complètement solo. J'ai besoin de plus de temps. J'ai confiance en vous, Shri. Ça fait plaisir à entendre. Je crois qu'il y en a un qui est juste là, là, et c'est lui qui fait mal. Ah, cool. On est bon là. Merde, putain, oh, il y a de ces people ici. Allez, crève. Ah, merde, il y en a encore un là. Ah merde, j'avais pas vu lui. C'est bon, on est bon. Allez, vas-y. Mets-toi là, je vais te mettre un petit bouclier pour te protéger. Putain, c'est un joli endroit ici. Maintenez-le occupé et restez en vie. Vous ne serez en sûreté qu'une fois l'impulsion ionique lancée. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pas très bien ce que je fais là. Ouais, c'est pas très bien ce que je fais, je vais rester par là. Merde, il y a l'arbre qui me gêne. Merde, il a plus de bouclier. Eh ouais, c'est normal, il en prend plein la chatte lui. Merde. Allez, crève. Il est où lui? C'est bon pour nous. Ah, c'est bon, ils l'ont défoncé. Le relais fonctionne. Parfait. Tous au palais. Del va entrer et déclencher une impulsion. La reine avait pris des précautions avant la guerre des clones. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Une impulsion ionique qui neutraliserait toute menace de l'eau.
pas oublier nos armes. Pas si on est dans le palais. Les forces impériales se dirigent vers le palais. Résistez aussi longtemps que possible. Voilà, on est pas mal. Ceux qui font mal là. Ah bah bon, ça pop à l'infini aussi là. Ah, je suis à 45 là de vie. Faut que je reprenne un peu de vie. Allez, allez, faut se replier. C'est moi, 67 alliés. Putain, il y a le TTTB là, dans le... Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Ah, ils t'ont eu, bah c'est normal, l'autre il avoine. La lance repli. Merde, je me gourde de boutons à chaque fois. L'autre il arrive à la chabale quoi. Allez. Ça avance. Les protocoles de sécurité sont étonnamment complexes et obsolètes. On gagnera du temps et pas beaucoup. Ne vous en faites pas, princesse. Ça suffira. Ah, il a un bouclier lui. Ah, ok. Ah, je vais crever. Ah ouais, merde, putain, non, non. Je fais pas attention à ma vie, quoi. Putain, je vais au dernier moment. Ah merde, t'as pu, je me gourde de boutons. Ça va, on a eu une sauvegarde. Allez, allez, on se replie. J'ai gardé un peu de vie. On gagnera du temps, mais pas beaucoup. Ne vous en faites pas, princesse. Ah, mais restez pas devant. Oh. Faut que je récupère un peu de life. Allez, allez. Ne les laissez pas monter. Tenez-les à distance des portes et continuez à tirer. Ça pue par ici. Princesse, l'impulsion est bientôt prête. Tant mieux, parce qu'on a bientôt plus nulle part où s'abriter. Belle, le moment me semble idéal. Je suis prêt, votre Altesse. Les soldats sont trop nombreux sur notre position. Ce marcheur est trop puissant. Lancement de la séquence de détonation. Entrez dans le palais. Ah, cool. Ah, ça... Faut un peu la pression, là, leur truc. Hein. Impulsion magnétique là, ça a mis tout le monde d'accord. Je crois bien qu'on a gagné. Oh, bonjour, votre Altesse. Vous avez fait du beau travail, mais je n'en attendais pas moins de la part de l'escouade Inferno. Donc, vous avez parlé au général Calrissian.
Vous savez que vous avez causé beaucoup de tort à notre alliance. C'est exact, Altesse. Et nous n'avons aucune excuse. Quand on vous regarde combattre, il est évident que vous ne fuyez pas que l'Empire. Tout cela vous importe beaucoup. Oui, c'est vrai. Nous avons combattu toute notre vie durant. Mais il nous a fallu bien trop longtemps pour comprendre qu'on luttait du mauvais côté. Cette guerre est loin d'être terminée. Nous aimerions lutter à vos côtés, si vous le voulez bien. Vous savez que grâce à vous, et à vos semblables, l'espoir peut triompher. D'autant que c'est grâce à l'espoir que nous gagnerons. Bienvenue dans la Nouvelle République. Merci, Altesse. Bon, on a été accepté chez les rebelles. Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Tout comme traquer sans relâche une flotte impériale. Mais ça ne va pas s'arranger, commandant. J'ai besoin de vous. Un de nos généraux a disparu. J'ai retrouvé sa trace sur Takodana, mais il ne répond à aucun de mes appels. J'aimerais que vous retrouviez... Han Solo. Takodana. Ah, c'est là où il y a le bar à maze. Oh, la tronche qu'il a. Oh là là. Hey Maz, sers-moi une autre part qu'Elan Sling. Pas tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Han Solo. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon bouquet? Chewie répare le faucon. Ça fait le chelou avec une bobara. A pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux. Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par moi. Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme? Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'en fais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Chewie. Je ne connais pas cet homme, mais il est tard, et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être assez bavarde. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout tâche de ne pas l'oublier. Ok, donc on va devoir... Ah, il y a un rond là-bas. Parler au client du bar. Solo, regarde. Non, regarde pas. Arrête de fixer. Roddy, content de te voir. Écoute, mon vieux, je recherche un ami, un certain Paldora. Tu peux m'aider? Après que tu m'as laissé en plan pendant la mission Zerka? Pas question. Allez, tout s'est bien terminé. Enfin, je pense, vu que t'es là. Dégage. T'as qu'à trouver Paldora tout seul. Vous pourrez comparer la taille de vos barbes. Ah, donc il est barbu. Compris. Ah, donc il a une babar. Tu es un homme mort. Hein? J'ai pas compris. Quelle partie? Pardon. Je ne comprends pas ce que vous dites. Là. Ah, il y a un mec là. Putain, regardez-moi ça, faut être à un endroit vraiment précis. Hey, monsieur Paldora, ça faisait longtemps. Mon ami Wookie se demandait ce que vous deveniez. Je crois que vous me confondez avec ce... type insupportable à l'étage. Autant pour moi. Donc il a dit qu'il était à l'étage. C'est pas le fait qu'on avait compté.
Ils sont où les escaliers? Je peux vous fournir toute la laine de Mounia. Oh, regardez-moi ça. C'est étrange, tu ressembles à un ami à moi. Il s'appelle Paldora. Tu me confonds avec cet abruti qui boit du Merenzan Gold. Il a de quoi se payer un verre de Merenzan Gold. Ouais, ça fait envie, pas vrai? Parle au barbu qui boit du Merenzan Gold. Merenzan. Ah. Han Solo. Je suis Rassus Paldora, spécialiste impérial. Ravi ah bah c'est de lui. Rencontrer enfin. Chut, pas si fort, enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous incognito. Allez, il faut qu'on vous sorte de là. Alors c'est parti. Faire sortir Paldora. J'ai les informations que vous vouliez. Pas sur moi, bien sûr. J'ai caché 2 cubes de données dans les bois. Par de grosses. Non, mais vous vous fichez de moi. Le premier contient les itinéraires de l'Empire, leur site de ravitaillement, leur cache d'armes secrètes. Un cadeau pour la République, si elle peut garantir ma sécurité. Et pour vos renseignements sur Kashyyyk? Ils sont ailleurs. Faites-moi confiance. Bizarrement, la plupart des statisticiens sont tués par des apprentis. Pour ça. Des amis à vous? Laisse-moi deviner, je suppose que c'est ta faute. Ouais, comme d'habitude. Rappelle-moi quelle est ma règle numéro 1, Han Solo. Pas de bagarre. Bon, allez, il faut qu'on bouge. J'ai caché le premier cube de données dans un générateur juste là. Ok. Ah, oh, classe, c'est classe. Alors attendez, charge de détonite, ok, tireur d'élite, une charge de l'épaule, ah ok. Pas un bruit, on va les neutraliser. Non, ça c'est contre des explosifs improvisés. Oh je bim. Oh merde. Super. Ah ouais, peut-être lui il y a une de ses pétoires. Ah ouais, t'as sa pétoire, elle est puissante. Hein. Allez, viens là, je vais te faire une charge à l'épaule. Oh merde, ça a pas marché. Merde, aïe aïe là. Quoi, quelque part? Rien dans celle-là. Ah ouais, d'accord, faut fouiller les caisses. Non, pas ici. Ok. Là, il y en a une autre. Ah, c'est là. Je l'ai. Les informations de ce cube de données devraient aider vos amis de la région. Merde. C'est une question de timing. Oh merde. Oh, attendez, j'avais pas vu ça. Oh, faut que je me tire. Je suis dans une merde. Putain, ils apparaissent comme as, quoi. C'est abusé, ça. Tiens, mange celle-là. Oh, pff. Ah, elle pique l'arrêt, hein. La charge détonite, attention. Atteindre le joli sanctuaire. Ah, faut faire gaffe, là. Allez, ma vie. J'ai
super intéressant, mais cachique dans tout ça. Vous êtes sûr que vos informations peuvent aider les Wookiees? Ça vous mènera tout droit sur leur planète. Qu'est-ce que la République prévoit de faire? Pas grand-chose, mais Chewie et moi, on fera fermer ses bons travail à nous deux. Oh merde. Bah avec sa pétoire elle est tellement puissante que t'as même pas besoin d'avoir la tête quoi. Ah merde, tain, je me suis gouré. Faut que je fasse gaffe, il me reste 42 vies. Faut que je mette un petit peu à l'abri, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là toi? Voilà. Il en reste ou pas? Là. Non, peut-être ici. Rien du tout. Vous ne m'aidez pas. Ah, c'est bon, ils sont là. Trouvez. Cool. Des renforts. Baissez-vous. Je me baisse. Oui, ça devrait vous aider à atteindre la planète des Wookiees. À présent, direction votre célèbre faucon. Vous connaissez. Ah, on va aller vers le faucon Millennium. En moyenne, je dirais que 2,2 impériaux sur 300 connaissent le faucon Millennium. T'es où, toi? Voilà. Merde, tain. Ah, je l'ai touché, mais ça l'a pas tué. Il en reste un, j'en suis sûr. Ici, non? Ça m'a semblé en voir un. Ah bah non, il est dead. Où ça? Ah. Là. Oh, je bime. Lui, il doit pas être mort, si. Ah, si. Ah. Je vais passer par là pour le contourner. Il y en a encore un là-bas. Allez, une petite charge. Ça devrait attirer leur attention. Oh, j'entends Chewbacca. Oh, regardez le faucon. Regardez Chewbacca là-dessus. Excellent. Allez. Démarre les moteurs, Chewbacca. Repoussez les ennemis. Ils sont où les ennemis? Merde. Attendez, je vais jeter une petite grue là-bas. Des explosifs improvisés. Putain, mais tu vas crever. Il y en a encore un là-bas. Il y en a plusieurs. Allez, allez, ma grenade. C'est bon, je crois qu'il est dead. Là, je vois là quelqu'un ici. Fasse gaffe. Allez. Oh, le strike. Ah merde, soldat anti-émeute. Oh, je suis mal. Je suis super mal. Allez, Chewbacca, fais chauffer les moteurs. C'est bon, j'ai ma grue.
au cas où ça tournerait mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un putain de lance-roquette là-bas. Merde. Oh lui, il me tire dessus à bout portant. Je retire ce que j'ai dit, Chewie. C'est le pire jour de toute ma vie. Ah merde, je me suis loupé. Au sol, la voie est libre, mais on a des tas de lieux en approche. C'est bon? Pour une fois, ce serait bien qu'ils arrêtent d'essayer de nous tuer. Ce serait pas aussi drôle, général. Piloter le Faucon Millenium. Allez, c'est parti. On va piloter le fameux Faucon Millenium. Regardez-moi ça, il est bien modélisé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau? Post-combustion, modification spéciale, double missile à concussion. Ok. Juste regarder l'heure qu'il est. Ouais, je pense qu'on va pas tarder à arrêter. Ah, qui c'est qui m'en met plein la chatte? Oh, il y a un vaisseau. Oh non, mais quel con, je fonce dessus. Putain, mais un vrai blaireau. Allez, on est reparti. Ok. Allez, c'est... Non. Voilà. Allez. Oh, ça lui a rien fait? Ah ouais, d'accord. Ouais, vas-y, parce que je suis en train de prendre Chiros. C'est cet enfoiré là qui me... Ok, pour l'instant on fait du bon boulot. Je me refais une petite pause combustion histoire de prendre un peu de distance. Ok, j'ai mes missiles. Cool. C'est bon, on l'a défoncé. Oh putain, merde. De me le faire parce que je prends là, je prends Chiro ça. Je crois que c'est pas fini hein, pour lui. Hein. Attendez, je le touche pas là. Attendez, parce que j'en ai un lui là sur le cul. Il fait vachement mal. Ah, c'est bon, il est décédé. Tu vas prendre mes missiles à contusion là. Ouais, je sais pas ce que je dois faire là. Peut-être finir le travail. Non mais bon. Allez, je prends un peu de vitesse. Cool, c'est bon. On s'est débarrassé de tout le monde. Regardez comme c'est joli. Je crois que le bar à mail, c'est ça, là. On va essayer de raser un peu le lac.
Regardez-moi ça, ah, cool. Bah écoutez, on va se quitter là tranquillement. Je pense que ça fera assez là pour cette vidéo. Je vous laisse avec la cinématique et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut. C'est pas ma faute s'il t'aime bien maintenant. Est-ce quoi l'inferno ? Shri, vous ne s'est pas revu depuis que Lando vous a confié cette mission. Vous allez bien ? À merveille, sénatrice. Vous vouliez me parler, commandant ? D'après les informations de Paldora, il faut croire que mon père aurait mené des opérations sur Bespin et Sulust. Je vous demande la permission de le traquer ainsi que de l'arrêter. Vous n'êtes pas sous mes ordres, Dan. Il est fort probable que le commandement désapprouve une mission à caractère personnel. Ah, eh bien, on ne peut pas laisser un amiral impérial renforcer sa flotte, n'est-ce pas ? J'apprécierais que vous l'arrêtiez, commandant. Oui, à vos ordres. Et que la force soit avec vous.